Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va s'occuper de ça. Donc c'est une box. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail quand on va déballer tout ça, ce que c'est exactement comme box et ce qu'il y a dedans. À savoir que ça va être certainement la dernière vidéo avant quelques jours, parce que au moment où je vous tourne cette vidéo, on est samedi, là, on est samedi 23. Je déménage le 31. Donc je vais peut-être retourner une ou deux vidéos entre deux pour vous les poster quand même, voilà, qu'il y ait du contenu. Mais moi, après, il va falloir que je déménage. J'ai internet à partir du 2 septembre et tout, donc il va falloir que tout ça se remette en place, que je range, que je... Donc, y aura un petit trou, mais de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de trucs de prévu. Même en septembre, il n'y a pas énormément de vidéos de prévu. Par contre, en octobre et en novembre, ça va être chaud. Je sais pas comment je vais faire, et à mon avis, je vais pas faire tout ce qui était prévu, parce que ce soit financièrement ou au niveau du temps, ça va être chaud. Donc on va changer de plan de caméra, et on va s'occuper de cette box tout de suite. Donc, on se retrouve avec la box. J'espère que lui, il va bien faire le point. Alors, cette box, en fait, elle vient du site Geekabrak. C'est la Geekabox. Alors, je me rappelle plus du nom de celle-là. Mais il y en a trois différentes. Faut savoir que sur leur site, ils proposent des box, mais c'est pas des box avec un abonnement et des thèmes bien précis tous les mois. C'est une box que vous achetez comme ça. Et en fait, après, vous l'avez, vous avez des choses dedans au hasard. Alors vous pouvez leur dire je veux pas ça, ou alors j'aime pas trop cette série là, voilà, pour que eux ils vous mettent pas de choses de ça. Mais en gros voilà, c'est une box qu'on vous fait un peu au hasard. Il y a trois tarifs différents. Il y a 29,90, il y a c'est combien, 49 je crois, 49,90 et 99,90. Moi j'ai pris celle du milieu. Parce que je me suis dit, pour découvrir, celle à 29, ça va peut-être être un peu petit. Et puis celle à 100, bon, faut pas déconner. J'ai pas 100€ à sortir comme ça. Donc j'ai aucun partenariat avec eux. Hein, je fais ça comme ça. Maintenant, si eux, derrière, ça leur fait plaisir de voir des photos et des vidéos partagées et tout, tant mieux. Ça leur fait un petit peu de pub aussi. Et puis, bah, moi, ça fait du contenu à vous partager. Donc je sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans. On va voir ça. Ensemble, je vois des trucs écrits PlayStation. Donc, on va regarder. Alors, on commence par un mug. Un petit mug, je suis désolé, c'est mon téléphone, il a fait un petit truc là. J'ai reçu un mail. Un petit mug Street Fighter, donc apparemment, qui change de dessin quand on met des trucs chauds dedans. On va regarder. Ouais. Donc c'est ça, regardez. Hop, et puis si on met un truc chaud dedans, il change de dessin. Bon, bah écoutez, ça c'est pas mal, parce que les mugs, on était en train de commencer du coup à faire du tri. Et à en jeter pas mal, parce que... Bah à un moment donné, il y en a plein qui sont un peu pétés et tout, avec le temps, qui sont usés. Donc, des pins Fallout 4. Donc après moi les pins j'en mets pas spécialement, mais c'est toujours voilà, c'est sympa. Surtout Fallout, bon le 4 j'ai bien aimé. Je suis pas spécialement un méga fan de la série et tout, mais le 4 je l'ai bien aimé. Alors ensuite je vois un truc écrit PlayStation. C'est lourd en plus. Ah c'est bien ça. C'est les dessous de verre. C'est des dessous de verre en boîte de Play. Ah ça c'est vachement bien par contre. Parce que mes dessous de verre à moi ils sont tout pourris là. Ils sont complètement morts. Ça pèse en plus hein. Regardez. En plus je tombe sur Medieval direct. Ah puis derrière en fait il y en a un autre. Il y a les Lemmings, ok. Ah c'est pas mal ça. Et en plus, ils sont nettoyables parce qu'ils sont pas en espèce de carton et tout. Ils sont en plastique. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ensuite, là, je vois un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore un petit truc PlayStation. Ça, c'est le petit badge, là. Ok.
Alors après, on a une casquette de, encore de Fallout 4. Ça c'est pas mal, je vais regarder un petit peu. En plus j'aime bien parce que derrière ça a un scratch pour la régler. Ça c'est pas mal. Ouais, ça va. Elle tient bien sur ma tête. C'est bon. Et le jeu Doom sur Xbox One. Je l'ai fait à l'époque à la sortie et tout, en attendant le nouveau, mais écoutez, c'est plutôt sympa. Je l'avais fait sur PS4, mais moi je leur ai indiqué que j'avais toutes les plateformes, donc du coup, vous pouvez avoir des jeux sur toutes les plateformes. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc là vous avez, voilà, parce qu'il y a un magasin physique, vous avez les adresses, vous avez tout. Et donc voilà, c'est le site Geekabrac. Donc ils vendent aussi des trucs à l'unité, si vous voulez un t-shirt, si vous voulez des choses comme ça. Ils vendent aussi des choses à l'unité que vous pouvez acheter comme vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'en plus j'ai récupéré du papier bulle pour le déménagement, donc ça c'est bien en plus, puis un carton. Écoutez, voilà, c'était la découverte de cette box. Après je vous laisse juger de ce qu'il y avait dedans. Ça fait peut-être un petit peu cher dans l'ensemble, mais ça va. Je m'attends toujours au pire avec ce genre de box. Quand je vois la Woodbox ou les vidéos sur la Woodbox et tout, souvent, il y a la moitié des trucs, c'est des objets publicitaires et en fait ça n'a aucune valeur dans les Woodbox. Et ils vous disent vous avez pourtant de valeur, mais c'est faux. Donc je m'attends toujours au pire. Là c'est peut-être un peu cher, mais bon, j'ai des trucs, les dessous de verre c'est vachement bien, le mug il m'en fallait, donc là j'en ai un. Le jeu, celui-là, moi, je l'ai déjà fait, mais il était cool. Et puis, au pire, ça fera plaisir à quelqu'un. Moi, je l'avais bien aimé, celui-là, en plus. Donc, voilà. Peut-être me le refaire, en attendant le nouveau. Donc, c'est plutôt cool dans l'ensemble, la casquette. Bon, moi, j'en avais une. J'en mets pas beaucoup de casquettes, j'en mets pas souvent. Mais bon, celle-là, elle est sympa. Donc, voilà. Écoutez. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand exactement. Moi, je suis un peu dans le bordel, là. Donc, on se retrouvera quand ce sera moins la merde. Et au mois d'octobre et au mois de novembre, on va avoir un planning. Je vais avoir un planning chargé. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.